lion de Juda, mes sources sont en toi. Ancien des jours, mes sources sont en toi. Tu es le grand, je suis, mes sources sont en toi. Tendre Père, mes sources sont en toi. Ma joie, ma paix me viennent de toi. Ma joie est en toi. Quelles que soient les circonstances, ma joie est en toi. Dans la maladie et l'affliction, Abba, ma joie est en toi. Je suis reconnaissant pour l'éternité. En toi je me confie, Abba, ma joie est en toi. Quel que soit mon chômage ou mon travail, ma joie est en toi. Je refuse de me laisser abattre ou décourager. Ma joie est en toi. Un cœur joyeux est un bon remède. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Quelle que soit la situation qui me frustrait, hier, ma joie est en toi. Je refuse de laisser mon état m'abattre. Ma joie, car tu m'as donné la vie éternelle. Ma joie est en toi. Tu m'as donné le salut en Christ. Ma joie est en toi. Quelles que soient les circonstances de mon temps, ma joie est en toi. Je refuse de me laisser abattre, tendre Père. Ma joie est en toi. Abba, en toi je me confie. Ma joie est en toi. Emmène-moi dans cette dimension où tu es ma joie. Ma joie est en toi. Abba, de toi seul je dépends. Ma joie est en toi. Allez, Bobo, tu m'as donné la vie éternelle. Je suis reconnaissant, ma joie est en toi. Tu m'as donné la vie, Père, pour l'éternité. Ma joie est en toi. Tu m'as assuré, Père, la résurrection, première résurrection. Ma joie est en toi. Abba, en toi je me confie. Ma joie est en toi. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Allez la marasse. En toi je me confie. Ma joie est en toi. Ma joie provient, Seigneur, de la vision de mon espérance. Ma joie. Voilà pourquoi il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Ma joie provient de mon espérance. Ma joie est en toi. Ça veut dire, ce qui me rend joyeux, c'est le monde à venir. D'abord, ma joie est en toi. Quelle que soit ma santé ou ma condition, Père, ma joie est en toi. Je suis éternellement reconnaissant. Ma joie est en toi. Oh bien-aimé, prends le temps d'élever la voix. Ma joie est en toi. Il y a une dimension, mon frère. Il y a une dimension, ma soeur. Où les désirs de ton cœur, ceux que tu n'as pas prié, Dieu les regarde. Et il dit, j'ai entendu ton soupir. Tu ne l'as pas demandé, mais je te le donne. J'ai entendu les gémissements de ton âme. Tu n'as pas demandé, mais je t'exauce. Bien-aimé, cette dimension est possible. Et c'est de ça que le psaume 37, verset 4, était en train de parler. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Tu dois décider que rien ne volera ta joie désormais. Tu dois élever la voix et demander pardon pour tous ces voleurs de joie que tu as laissé avoir, à qui tu as laissé avoir accès à ton cœur. Le mens, je ne suis pas marié, c'est pour ça que je suis triste. Bien-aimé, si tu n'es pas marié et tu es triste,
Ça veut dire que ta joie vient du mariage et ta joie ne vient pas du Seigneur. Le problème, c'est que ce genre d'attitude ne va pas encourager et pousser Dieu à te donner ce que ton cœur désire. Pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, il faut absolument que lui seul soit le sujet de ta joie. Et quand il verra ça, il y a une dimension où tu vas arriver. Les choses que tu n'as pas demandées dans la prière, Dieu te les emmène. Les richesses, les accès, les grâces, les faveurs. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à beaucoup lutter, à beaucoup chercher, avec tes efforts personnels. Mais tu n'expérimenteras pas les pêches miraculeuses. Les pêches miraculeuses sont vécues par les personnes qui ont tout donné à Dieu. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ils ont décidé que quoi qu'il arrive, dans le malheur comme dans le bonheur, la santé comme la maladie, je ne vais pas laisser ma joie être volée. Parce que de toutes les manières, un jour ou l'autre, il faudra quitter la terre. Cette situation n'est que passagère. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans la dimension où tu rends grâce à Dieu, où tu es juste content de lui, où tu ne le blâmes plus, tu ne l'accuses plus, tu n'es plus fâché, tu n'es plus déçu de lui. Mais à chaque fois, tu lui dis, Seigneur, merci. Merci pour tes œuvres que tu fais. Je suis content quand je sais que c'est toi qui agis. Je suis content quand je sais que tu as visité telle personne. Oh, moi, Seigneur, moi aussi j'attends. Mais qu'importe, Seigneur. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je te rends grâce pour ce que tu es. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Lorsque tu rentres dans cette dimension, bien-aimé, tu es en train de préparer la plateforme où tu vas opérer dans la dimension où les désirs de ton cœur sera exaucé. Je tiens à te dire, bien-aimé, cette dimension sera vécue par toi sur la terre. Si seulement tu décides de garder ton cœur et de en tout temps rendre grâce à Dieu. En tout temps, apprendre à être content et à dire juste merci à Dieu. Et quand tu sens que l'amertume veut frapper à la porte de ton cœur, comment est-ce que tu réagis? Tu chantes un cantique d'action de grâce. Ah, ma paix, ma joie est en toi. Elle ne me vient pas de ma situation, Seigneur. Ma joie est en toi. Elle ne vient pas de mes bénédictions, Seigneur. Ma joie est en toi. Elle ne me vient pas de mon mariage, oh Seigneur. Ma joie est en toi. Elle ne me vient pas de ma santé, non, non, non. Non, non, non. Ma joie est en toi. Je veux te dire que ma joie est en toi. Ma joie est en toi. Je me réjouirai comme le disait l'apôtre Paul. Ma joie est en toi. Dans la prison, je me réjouis. Je me réjouirai encore. Ma joie est en toi. Car le royaume de Dieu va de l'avant. Amène-nous dans ces secrets. Amène-nous dans la compréhension de cette parole. Dans la compréhension de ce secret. Accorde-nous la grâce d'activer vers ce secret. Allez, mon chat. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été déçu de toi. Toutes les fois où j'ai laissé la tristesse rentrer en moi à cause de ma condition, à cause de ma situation. Je me suis focalisé sur moi. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. Je te demande pardon. Ah, Seigneur, accorde-moi la grâce de commencer d'abord par mettre ma joie en toi. Cela va. En toi je me confie, ma joie est en toi. Sur toi, Père, je m'appuie, ma joie est en toi. Prends le temps pendant quelques secondes d'élever la voix. Veux-tu opérer à cette dimension? Tu dois commencer par demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as laissé la tristesse rentrer dans ton cœur alors que le royaume allait de l'avant. Dieu est dans la joie. Dieu veut que tu partages sa joie d'abord. Et il veut t'apprendre à connaître une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il veut t'apprendre à connaître une joie qui ne dépend pas de ta situation, qui ne dépend pas de ta maison. En toute chose, rends grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il veut t'apprendre à opérer d'abord dans la dimension où ce n'est pas ce qui va te
donner qui va te rendre joyeux. C'est le don qu'il est qui va te rendre joyeux. Ce n'est pas ce qu'il va te donner, c'est ce qu'il est qui va te rendre joyeux. Quand tu es joyeux avec lui tout seul, il ne craint plus l'idolâtrie. Il ne craint plus de te donner les choses parce que tu lui as prouvé que ce ne sont pas les choses qui te rendent joyeux. C'est lui qui est la source de ta joie. Ah, bien-aimé, élève la voix. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Aide-moi à accepter cette parole. Aide-moi à entrer dans cette dimension de mort à moi-même, de renoncement à moi-même. Si tu es joyeux, alors accorde-moi la grâce d'être joyeux. Et tu es joyeux lorsque je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque les âmes sont sauvées, lorsque la parole est répandue, ne laisse pas ma condition m'abattre. Accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de mettre notre joie en toi, en toi, en toi seul. Accorde-nous la grâce de connaître ta joie indescriptible et pleine de gloire. Délivre-nous de la joie de ce monde. Délivre-nous de la joie charnelle, la joie des bonnes nouvelles, la joie du mariage, la joie du travail. Oh, accorde-nous la grâce d'expérimenter la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Accorde-nous d'entrer dans cette dimension, Père, où nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Ça veut dire, nous pouvons garder notre joie, quelles que soient les situations. Vivre dans le dénuement ou dans l'abondance, dans la maladie ou la guérison, dans le chômage ou le travail. Ah, ne laisse plus ma joie être volée. Ma joie vient de mon espérance. Ma joie vient de l'éternité. Ma joie vient de ce que tu m'as tant aimé. Tu as donné Jésus. C'était la plus grande expression d'amour. Ma joie vient de ce qui m'est réservé. Oh Seigneur, merci pour cette joie que tu imprimes dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ne nous laisse pas être affectés, être ébranlés par les tribulations, les légères afflictions du moment présent, de la vie présente. Il y a une vie qui vient. Je ne renonce pas à la joie pour cette vie, mais il y a une vie qui vient, qui est beaucoup plus glorieuse que cette vie. Je ne peux pas résumer, Seigneur Dieu, je ne peux pas résumer mon héritage à cette vie terrestre. Merci pour ce que tu m'as accordé. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Et même si je n'ai pas été visité, je suis dans la joie, parce qu'au moins tu as prouvé, parce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, tu as prouvé ta bonté, tu as prouvé que tu existes, tu as prouvé ton amour. Merci pour ce que tu fais. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur finira toujours par être arrosé. Il y a une dimension qui arrive, une dimension qui viendra lorsque tu te réjouis. Joseph, esclave chez Potiphar, maltraité, vendu par ses frères, mais lorsqu'il a appris à être content, content de là où il était, content de ce que Dieu lui avait fait de lui, content des promesses de Dieu, content de ce qu'il a pardonné à Dieu, content d'être racheté de Dieu, content d'être la propriété de Dieu, content d'avoir l'éternité assurée par la grâce de Dieu, lorsqu'il a appris à être content, content de servir comme esclave dans la maison de Potiphar, content de voir Potiphar content, content de voir la femme de Potiphar content, content de voir les autres contents. Lorsque tu rentres dans cette dimension où tu es content de voir les autres contents, oh Joseph, tu n'es pas loin de la prophétie, tu n'es pas loin de la manifestation des promesses de Dieu concernant ta propre vie, tu n'es pas loin de la primature. Continue encore dans le contentement, continue encore à rendre grâce, continue encore à garder la joie, car un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu te rendra malade, il dessèche les os. Un esprit dépressif dessèche les os. Rends grâce, arrête de regarder, de juger Dieu et de déterminer ta joie uniquement en fonction de tes circonstances. Décide, décide, épouse. Ça, c'est pas possible pour tout le monde. C'est possible pour l'épouse. Entre dedans, entre dedans. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut te faire rentrer, épouse, afin de te donner tout ce qu'il veut et peut te donner. Et tu dois passer par là. Tu dois passer par ce qui est Gethsémané. Ton âme a mal. Ton âme aura de la souffrance. Ton âme aura de la souffrance à obéir. Mais décide, décide, décide. Maressa, chakata rebele. Marasaya, Marachalera Mararo. Comment tu triomphes? Comment triomphes-tu de cette tristesse qui monte, de cette aigreur qui monte, de cette amertume qui dit laisse-moi me faire une place sur le trône de ton cœur? Comment combats-tu?
Comment repousses-tu ces traits enflammés du malin qui veulent te rendre triste et découragé? Mais rappelle-toi, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire qu'un esprit abattu va faire de toi le collaborateur de l'esprit d'infirmité. Un esprit abattu va faire de toi l'artisan de ta propre maladie. Un esprit abattu va faire de toi le collaborateur du diable qui veut te rendre malade dans ton corps. Et c'est toi qui lui as donné le permis d'entrer. En nourrissant, en entretenant l'aigreur, l'amertume, la colère, la tristesse, la déception. Mais il y a un secret. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta joie. En lui seul devient ta joie. Et que ça reste dans la durée de ton attitude. Parce que toute attitude que tu vas adopter sera toujours testée. Ça ne marchera pas parce que tu l'as fait pendant un jour, parce que tu l'as fait pendant une semaine. Non, c'est pas suffisant. Mais lorsque Dieu observe que dans la durée tu ne changes pas, tu gardes ce cœur qui décide de rendre grâce, de ne pas regarder à ta condition, quelle que soit ta situation et ta condition, tu dis: je ne regarde pas à ça, je regarde à toi. Et je te rends grâce pour ce que tu es dans ma vie. Je te rends grâce pour le sang que tu as, le sang de Jésus versé pour moi. Je te rends grâce pour ta main étendue sur moi. Oui, mais la voix de la chair te dit: oui, mais et ça qui ne va pas. Tu continues: je te rends grâce. Et je vais continuer de chanter. Et je vais continuer de rendre grâce. Et plus tu vas continuer de rendre grâce, plus la joie du Seigneur va envahir, garder ton cœur. Et quand Dieu voit que ce n'est plus juste provisoire, temporaire, quand Dieu voit que la joie là du Seigneur est maintenant assise, établie, greffée, gravée dans ton caractère, ce n'est plus une émotion, ce n'est plus un sentiment passager, c'est maintenant rentré dans ce qu'on appelle ton caractère, c'est figé. Quand Dieu voit ça, ça veut dire que tu es qualifié pour rentrer dans la dimension des croyants à qui Dieu donnera les désirs de leur cœur. Que ce soit notre partage en cette année, que ce soit notre expérience en cette décennie, c'est un test, un défi que Dieu nous lance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner ce que ton cœur désire, non. Mais Dieu ne peut pas transgresser sa parole. Il doit d'abord trouver un cœur qui a fait de lui sa joie. Ah, bien-aimé, élève encore la voix. Dis au Seigneur: ne me laisse plus jamais, par ta grâce, ne laisse plus jamais ma joie être dépendante de mes situations. Accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Et soupire pendant quelques instants. Soupire pendant quelques instants. Ma joie étant, ne laisse rien d'autre conquérir mon cœur. Ma joie est en toi. Ne laisse pas les circonstances polluer mon cœur. Ma joie est en toi. Ne laisse pas la chair envahir mon âme. La joie est en toi. Je te suis reconnaissant pour ton règne en moi. Je te suis reconnaissant pour mon espérance. Je te suis reconnaissant car tu as prouvé. Ma joie est en toi. Tu as prouvé déjà, Père, que tu agis. Ma joie est en toi. Tu as déjà prouvé, Seigneur, que tu existes. Ma joie. Je veux te dire merci pour tout ce que tu es. Ma joie est en toi.
Élève la voix et dis-lui merci. Que mon salut, que ma délivrance, mon espérance de gloire, mon époux, mon bien-aimé, tu es mon roc, tu es ma défense, ma justice, mon consolateur dans le malheur. Tu es celui qui me console, celui qui me relève la tête. Tu es mon bouclier, mon bien-aimé. Tu es la source de ma paix, la source de ma joie, la source de ma foi. Tu es ma capacité, celui qui me rend capable d'endurer. Oh, je suis content de ce que je suis appelé enfant de Dieu. Tu m'as assuré un héritage en Christ. Cet héritage perdurera toujours. Je suis appelé du nom de Christ. Aïe, recasse, palero, palera, la maralo, la palera. Shila balere de la mare da de mara, cheyere de la mara. Ah, Père, par ta grâce, ne me laisse plus être séduit. Ne nous laisse plus être trompés par la chair. La chair me dit, pour que tu sois dans la joie, il faut que tu sois marié. Il faut que tu sois féconde. Il faut que tu aies tel nombre d'enfants. Il faut que tu aies telle somme d'argent. Ah, mais ne me laisse plus être séduit, être trompé par les critères de la chair pour mesurer la joie. Ça, c'est la joie du monde. Ça, c'est la joie du monde. Accorde-moi la grâce de connaître la joie. La joie du Seigneur, cette joie est ma force. Ça veut dire que cette joie donne de la force. Cette joie fortifie. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, rends-nous capables de vivre toutes les situations de la vie et de garder ta joie. Et de garder ta joie. En toi nous nous confions. Ma joie est en toi. Sur toi nous nous appuyons. Ma joie. Oh, soupire encore quelques temps, bien-aimé. Je sens que l'Esprit a un travail de renouvellement d'intelligence à faire en plusieurs d'entre nous ce matin. Oui, parce que c'est une forteresse qui est en train de tomber. C'est une forteresse qui est en train de tomber. Prends le temps de rendre grâce encore à Dieu et de supplier Dieu d'être conscient de la vérité. La vérité, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu apprécies les choses en fonction de ce que tu as, mais en fonction de ce qu'il est. Il est. Tu dois te réjouir dans le donateur et non pas dans le don. Chaque fois que le don est ce qui active ta joie, tu montres au donateur que ce n'est pas lui que tu désires le plus. C'est la chose et c'est sa main et non sa personne que tu désires le plus. Oh épouse, toi tu peux rentrer dans cette dimension. Dieu te fait confiance pour rentrer dans cette dimension. Pour les autres, cette parole est trop dure. Mais pour toi épouse, emmène seulement ton cœur. Demande seulement la grâce. Il est prêt à relâcher sa grâce. Il est prêt à relâcher sa grâce. Il est prêt à répandre sa grâce. Répands sur nous ce matin cette grâce, Père, de nous attacher à toi, de t'aimer, Seigneur. Oh, de faire de toi notre joie. À partir d'aujourd'hui, nous demandons la grâce, Père, de n'être plus attristé, de n'être plus ébranlé par les choses qui m'arrivent. Oh, je t'en supplie, rends-moi focalisé sur toi. Ah, Seigneur, si tu es dans la joie, que ta joie soit ma force. Que ta joie remplisse le cœur de quelqu'un ce matin, maintenant. Que la tristesse, la dépression, le découragement, le suicide soient réprimés, 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 réprimés. Libère les cœurs, esprit de tristesse, esprit de mélancolie, esprit de rejet, esprit de dépression, esprit de culpabilité, esprit de désespoir, esprit de suicide, esprit de mort. C'est à toi que je parle. Tu t'es frayé un chemin en manipulant nos cœurs, en manipulant nos émotions. Je parle à toi, l'esprit d'abattement. Je parle à toi, l'esprit de mélancolie. Je parle à toi, esprit de découragement. Je parle à toi, esprit de dépression. Je parle à toi, esprit de tristesse. Libère maintenant les cœurs sur lesquels tu t'es cramponné. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur ce cœur. Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. Dégage, va dans les arides. Lâche prise, lâche prise. Que son feu purifie ton cœur. Son feu purifie ton cœur. Son feu te guérit. Son amour, sa joie
te guérit, te guérit, te guérit, te guérit. Maintenant, maintenant, des fleuves de vie, des fleuves de joie, des fleuves de paix, des fleuves de joie, des fleuves d'amour, des fleuves d'amour, des fleuves d'amour. Reçois-les, 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 reçois-les. Ils pénètrent, ils pénètrent, ils se déversent, ils te guérissent. Je vois des torrents se déverser, des fontaines se déverser, se déverser. Il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Maintenant, oh bien-aimé, si tu reçois cette parole, alors élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce pour ta libération, rends grâce pour ta délivrance. Le cœur d'une personne a été délivré ce matin. Le corps va suivre, le corps va suivre, le corps va suivre. La joie est un remède, un cœur joyeux est un médicament, un cœur joyeux est un traitement, un cœur joyeux est une cure, un cœur joyeux au nom de Jésus. Que la guérison de ton corps suive maintenant, suive maintenant, suive maintenant, suive maintenant. L'abattement quitte ton cœur, le découragement quitte ton cœur, la tristesse quitte ton cœur. Lui seul sera le sujet de ta joie. Dieu seul, ma joie est en lui. Ma joie, 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 ma joie est en toi. Si c'est ton histoire, ton expérience, tu peux célébrer désormais, désormais, à ma paix. Ma joie est en toi. Ma joie est... Acclame le Seigneur si tu as reçu cette parole. Toi qui es connecté depuis ICC chez vous, au son de ma voix, acclame le Seigneur. Si cette parole est rentrée en toi, elle est venue te sauver, elle est venue te libérer, elle est venue te délivrer, elle est venue te positionner épouse pour rentrer dans la dimension de ce à qui Dieu, oh bien-aimé, il est en train de me dire. Ce message est venu ce matin pour, si tu as compris cette parole, te faire entrer dans la catégorie des croyants dont Jésus va rendre la joie parfaite. Oui, il va rendre ta joie parfaite si tu as compris ce qu'on vient de dire. Prépare-toi pour la perfection de ta joie maintenant à toi. Dès lors que tu as fait de lui ta joie et que cela demeure, je t'annonce cette année la manifestation de ce qui t'a été prophétisé il y a quelques semaines. La joie parfaite va être rendue manifeste. Ce qui va combler ton cœur, tu n'as même pas besoin de continuer de prier pour ces sujets. Tu as juste besoin de rentrer dans la dimension de la joie de Dieu, de faire de lui ta joie. Le reste, ne prie plus, attends seulement. Continue seulement de te réjouir en lui, de te saturer de lui, d'être joyeux en lui. Et ce que ta bouche n'a pas demandé, ton cœur le désirait seulement. Tu n'as plus besoin de prier pour ce sujet. Tu n'as plus besoin de prier pour le mariage, le travail, la santé, la guérison. Persiste et persévère seulement dans l'application, l'obéissance à cette vérité. And watch this. Tu vas voir se passer cette année, c'est ta saison. J'ai dit cette année, c'est ta saison, mon frère, ma soeur. Ce qui rendra ta joie parfaite, que ta bouche n'a pas exprimé, sera manifesté. Et ce matin, le Seigneur t'a montré le cheminement. Il t'a montré le cheminement de ce qui rendra ta joie parfaite. Merci pour cette parole. À moi-même personnellement, elle me fait du bien. Elle me console. Elle me donne du jus. Elle me refocalise. Elle me détourne des distractions de la chair. Qui me disait, tu as toutes les raisons d'être triste. Ah non, non, non. Ah non, je ne peux pas être triste. Je dois me réjouir en espérance. Parce que moi j'ai une espérance. Enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être triste. Parce que toi, tu as une espérance. Tu as une qualité de vie. La résurrection, l'enlèvement, les festivités, les récompenses, le règne millénaire. Et c'est pas tout. Après le millénium, le règne pour l'éternité. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes,
plus de pleurs, uniquement la félicité éternelle. Je suis d'accord pour souffrir un peu sur la terre. Si c'est ça le prix à payer, il n'y a pas de problème. On va souffrir, mais on va souffrir en gardant la joie du Seigneur dans nos cœurs. Que ce soit ton partage et ton expérience, mon frère, ma soeur, si tu as reçu cette parole, donne-moi des acclamations et un bon Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à la guérison de mon cœur. À la guérison de ton cœur. La joie vient guérir ton cœur ce matin. La joie vient irradier ton cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare les chaînes du diable dans ton cœur, les chaînes du diable dans ta santé, les chaînes du diable dans ton mariage, les chaînes du diable dans tes finances. Il a échoué lamentablement, la joie revient en place. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oh God, we thank you, we praise you, we bless you. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Oh bien-aimé, si Dieu t'a parlé, acclame. Si cette parole est rentrée en toi, acclame. Si une nouvelle, si l'épouse va sortir de ce culte, acclame bien-aimé. Quelqu'un d'inébranlable. Tu peux tout par Christ qui te fortifie désormais. Tu garderas la joie et tu peux le faire. Le Christ est en toi et te fortifie de l'intérieur. Au nom de Jésus.